En fait, c'est une idée qu'on a eue à deux. On a fait l'année, c'était 2013-2014, un module pour former les étudiants en droit et a germé du coup l'idée d'un serious game qui pourrait apporter donc le contenu en présentiel qu'on faisait déjà à la faculté de droit, mais vraiment avec cet aspect ludique qu'on ne trouvait pas dans les présentiels de 2 heures qui assomment à la fois les étudiants et en l'occurrence nous aussi. Alors moi j'ai fait la scénarisation et puis le côté pédagogique, les objectifs pédagogiques et puis la création sur Adobe Captivate. Et moi, j'ai réalisé donc les graphismes du jeu et j'ai aussi participé au scénario, à fixer les objectifs pédagogiques et le guide à la fin, le guide qui est remporté. J'ai aussi réalisé le guide de la fin, qui est le prix à gagner. Moi, j'ai bien aimé. Je crois que c'est très ludique et en plus, les étudiants vont apprendre comment ils doivent faire pour vraiment faire des bonnes recherches. Alors, je trouve ces jeux particulièrement intéressants. Le graphisme est tout à fait agréable et il me semble un outil intéressant aussi bien dans le cadre de la formation, donc en classe, à le découvrir avec les étudiants, qu'à proposer aux étudiants pour que les étudiants puissent le découvrir individuellement. Oui, moi ce que j'ai vu c'est beaucoup de sourires, donc c'est qu'apparemment ils prenaient plaisir à jouer déjà. Ils ont pris aussi le temps de tout faire dans le jeu parce qu'il y a des tutoriels, il faut chercher les réponses. Je pensais qu'ils n'allaient pas forcément aller tester, ils ont testé vraiment à 100% de jeu. Et après, oui, ils ont dit que c'était intéressant, motivant pour les élèves. Enfin, ils se projettent avec leurs étudiants et ils se rendent compte que ça va plaire aux étudiants. Je crois que ça pourrait être même utile pour des professeurs. Nous avons au CLADIF des professeurs vacataires et ils m'ont demandé où je pourrais trouver un livre sur l'espagnol ou le russe. Et nous avons dit, bon, si on n'a pas un livre chez nous, chez CLADIF, vous pouvez aller à la bibliothèque et emprunter des choses. Et ils ont besoin de aussi pratiquer un peu la recherche. Donc on peut avoir un discours dans un premier temps pour présenter les choses, puis passer au jeu sous forme d'illustration pour que les étudiants puissent découvrir le fonctionnement d'une bibliothèque. Ce sera principalement donc l'Université catholique de Lille et les écoles qui sont rattachées, qui seront bénéficiaires, donc les profs et les étudiants. Il est en ligne aujourd'hui. Donc, et dès demain, une communication partira vraiment pour communiquer plus largement, donc pas qu'à l'équipe du LIP, mais vraiment à tout l'UCL. Notre récompense, ce sera le retour des étudiants et surtout qu'ils l'utilisent et que ce soit utile pour toutes leurs études. C'est surtout ça. Ouais.